السلام عليكم مجددا ضمن احبابي الجامعة الهندية اللواء الصحفي للنقد الوطني فلاديمير إيفكوفيتش بحثنا من 14 سبتمبر اللي من خلاله المنتخب الوطني سيواجه منتخب غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر بملعب بيرود هدفي بوهران وبيبيريا يوم 10 سبتمبر بموروفيا في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025. يرجى من زملاء تقديم أنفسهم قبل طرح السؤال، راح يكون سؤال واحد لكل صحفي مدة الندوة 40 دقيقة إن شاء الله. نبدأ بالقائمة تاع اللاعبين المنتخب الوطني المستدعى لدار السيطرة مع المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. Arriviamo su un periodo molto delicato, molto, sempre stato molto difficile per fare le scelte e decidere per una lista del più di anni. On arrive a un periodo che è normalmente complicato, nel settembre, per fare le liste dell'equipe nazionale dei giocatori che per te convocati. Noi all'inizio abbiamo messo tantissimi giocatori, quasi 80 giocatori sulla lista larghissima. On a préparé dès le début une liste vraiment très élargie avec quasiment 80 joueurs qui étaient sur cette liste. Abbiamo qualche settimana fa scelto, inizio mese cominciato, di valutare scegliere, siamo scesi a 51 giocatori. Il y a quelques semaines, on a descendu avec le numéro de joueurs, en commençant avec toutes les évaluations des joueurs eux-mêmes, et on a descendu à 51 joueurs. E adesso è arrivato il momento di dare una lista, ancora qualche giocatore di troppo, qualche giocatore di riserva. Ho scelto 26 giocatori che penso in questo momento corrispondono a mie aspettative e cerco di dare anche supporto a certi giocatori che sono in difficoltà. Et maintenant, c'est le moment de donner les 26 joueurs. C'est des joueurs qui ont été suivis. Dans cette liste, il y a aussi une pensée qui est au fait de donner du support à des joueurs. Il y a des joueurs qui ne seront pas convoqués, mais c'est la liste des joueurs que, selon le coach, vont mieux entre eux et sont les joueurs à convoquer. Perché è arrivato anche in questo periodo, ci sono giocatori che hanno avuto problemi di trasferimenti, problemi anche di salute, di infortuni. Il y a aussi des joueurs qui ont été isolés sur des problèmes di transfert, di changement de club e aussi blessure. Così ho scelto una lista di 26 giocatori che da lunedì saranno pronti di dare tutto e saranno pronti di vincere le prossime due partite che abbiamo davanti a noi. E voilà, j'ai la liste de mes 26 joueurs qui seront à disposition pour tout donner pour l'équipe et prêts à jouer pour gagner les deux matchs qu'on va affronter. Cominciamo con portieri. On commence avec les gardiens. Mandrea. Vedruz, Kija, Difensori, Meknuri, Kasef, Ajam, Madani, Tugai, Ben Spaini, Belaib,
Mandi, Attal, Farsi. Centrocampo centrale. Mio terreno lax. Benasser, Zerouki, Rudaevi, Pezorgan. E centrocampisti offensivi e attaccanti. Joueur offensif e attaccant. Aouar, Sayoud, Amoura, Ben Brahma, Mahrez, Ajmoussa, Benzia, Guiri e Budajar. Merci coach, très bien que la liste vous avez communiqué. Coach, avant de laisser les journalistes poser leurs questions, un petit mot aussi sur cette liste, vos choix sur ces joueurs retenus pour ce stage de septembre. Ho cercato di avere giocatori prima che sul mio avviso corrispondono a profili che cerchiamo per vincere le prossime partite. J'ai cherché moi-même de cette façon de avoir des joueurs qui ont le profil, donc c'est des joueurs qui sont bien dans le choix du coach et dans l'idée de foot du coach. Ci sono tanti confermati e qualcuno di loro che vuole vedere ad opera. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient déjà là avec nous et il y a des joueurs qui sont nouveaux et que le coach aimerait et aime voir à l'action. Per me è importantissimo vedere ogni giocatore che dà tutto, tutte le energie per il gruppo. Pour moi l'essentiel c'est de voir un joueur qui donne tout et qui donne tout sous tout pour l'équilibre et pour le groupe. Sicuramente molto importante avere un gruppo unito e un gruppo di giocatori che aiutano uno all'altro. Très important avoir un groupe qui est soudé et un groupe où il y a des joueurs qui aident le coéquipier. E soprattutto che danno tutto per vincere la partita perché è essenziale questo. Et surtout des joueurs qui donnent tout pour gagner les matchs parce que ça c'est essentiel. Se vado sulla lista per i portieri. Si maintenant je parle de la liste pour l'instant des gardiens. Lì c'è stato qualche cambiamento, ma ho optato per soluzione per conoscere anche altri elementi. Là il y a eu des changements, on a changé des gardiens, mais c'était pour donner la possibilité au coach di voir d'autres gardiens. Non è una bocciatura per questi che non sono convocati, ma è una apertura per allargare anche possibilità della squadra. Ce n'est pas une clôture pour les joueurs qui ne sont pas là, pour les deux gardiens qui ne sont pas là, c'est pour donner à tutti i gardiens la possibilità di se presentare e di jouer avec les commissari. E comunque abbiamo due giovani portieri, relativamente giovani e un esperto che può dare anche questo qualcosa di più. Et chez les trois gardiens qui sont convoqués, on a un joueur, un gardien qui est très expérimenté et deux joueurs qui sont, disons, encore assez jeunes pour le rôle du gardien. Terzini, sinistri, abbiamo tre. Pour les joueurs du côté gauche, défenseur gauche, on a trois possibilités, on a trois joueurs. Valutiamo durante questo stage. On va évaluer pendant ce stage. E per fortuna ce l'abbiamo tre che sono in buona forma. E on a la chance d'avoir trois joueurs qui sont des joueurs bien placés sur ce poste. E spero avere sempre questa difficoltà di affrontare e scegliere. Et j'espère avoir tout le temps la possibilité d'être en difficulté pour faire des choix. Come terzini destri abbiamo Farsi che ha fatto già secondo inizio di buon campionato in Stati Uniti. Per la partie droite, per l'arrière-droitier, on a Mohamed Farsi qui a déjà commencé le deuxième championnat avec l'équipe de Columbus aux États-Unis.
e questo è un momento dove altri terzini destri e potenziali ce l'avevano qualche difficoltà. E in questo momento on a dei joueurs qui pourraient jouer à droite, mais qui sont en difficulté pour l'instant. In momento ho scelto uno di questi che sono in difficoltà, che è senza la squadra, è Atal. E là, il y a un joueur qui est en difficulté et qui n'a pas d'équipe, e c'è Atal. E penso che, come ho detto prima volta quando sono stato davanti di voi, giocatori che sono in difficoltà, che servono anche mio supporto in questo momento, do anche questo supporto per dare opportunità anche a Atal, merita per tutto questo che ha meritato, che può soffrire. Pour parler de Atal, quand j'étais ici la première fois en tant que coach, j'ai dit dès le début que moi je suis un coach qui donne du soutien aux joueurs. Atal est en difficulté, il a mérité d'être soutenu et c'est pour ça qu'il a aussi mérité la convocation pour être soutenu. Parce que comme j'ai dit, le coach, comme le coach a dit, pour lui c'est l'essentiel de donner aussi du soutien aux joueurs. Abbiamo qualche assenza in centrocampo in confronto di ultimo stage. On a des absences dans le milieu de terrain par rapport au dernier stage. E cercato avere giocatori compatibili tra di loro e che sono in momento anche in forma. On a cherché d'avoir des joueurs qui sont aussi compatibles entre eux et qui donnent aussi la possibilité d'avoir un certain système de jeu qui peut être soutenu. Explica anche probabilmente nome di Sayoud. C'est vrai qu'il y a un nom qui est peut-être assez là sur le plateau et c'est le nom Sayoud. Ecco l'assenza di altri come esempio Yassin. Mais on a aussi des absences comme l'absence de Yassin Brahimi. Sicuramente ho sentito tanto di Sayoud, ho visto tanto bene di Sayoud, ma voglio anche vederlo da vivo. Par rapport à Sayoud, j'ai entendu beaucoup, j'ai vu beaucoup de Sayoud, et maintenant je veux le voir sur le terrain, dans une situation réelle avec moi sur le terrain. E sicuramente tante cose, cosa avete chiesto anche le ultime due volte, il nome di Makrez. Et comme vous avez déjà demandé la dernière fois, le nom de Makrez. È un giocatore che non si discute, non si parla di tecnicamente, tatticamente di importanza, ma solo si parla di prontezza, di dare tutte le energie necessarie per la squadra. Mahrez ne peut pas discuter par rapport alla tecnica, a sa façon de jouer au foot, a ses qualités. L'essentiel c'était que Mahrez soit là pour ses qualités de donner tout ce qu'il a pour le groupe. Ho visto Mahrez, abbiamo parlato e lui è prontissimo a dare tutto quanto per il gruppo e ancora una volta fare la spinta dentro la squadra. J'ai rencontré Mahrez et lui m'a dit qu'il est prêt à tout donner pour l'équipe nationale, il est prêt à donner son élan pour l'équipe nationale et pour le succès de l'équipe nationale. Et non è importante cosa si dice, ma è importante che ho visto anche questo nel Mahrez, che veramente è dovrebbe essere giocatore in più di questa squadra. C'est pas que les mots qui font la différence, mais c'est ce que j'ai vu personnellement avec Mahrez, c'est son envie de tout donner pour l'équipe nationale et qui peut donner aussi à l'équipe nationale la possibilité d'avoir plus de possibilités d'atteindre les résultats. السلام عليكم. معكم عبد الله مجاهد محامي سيرة. بخصوص ديار فاطمة، هل وجد المدرب؟ السلام عليكم. معكم عبد الله مجاهد محامي سيرة إخبارية. بخصوص فاطمة، هل وجد المدرب بيتكوفيتش صعوبة في اختيار أو تعيين لاعبين لهذا التربص؟ هل وجد صعوبة خصوصا أن هناك لاعبين ما
بدون فرق لحد الآن. هو جاوب علي على كل حال. Importante che alla fine ha trovato. L'essenziale è che alla fine c'è fatto la lista. E sono convinto che questi giocatori possono darci la soddisfazione nel mese di settembre. E sono convinto che questi giocatori possono darci la soddisfazione nel mese di settembre. Grazie per la Une question par rapport pour le tour de l'ancien président de la sélection nationale, Riyad Mahrez. Bon, vous l'avez cité, certes, vous avez trouvé le joueur dans un état de forme. Il a envie de revenir à l'équipe nationale. Mais ma question sur le rôle de Mahrez dans votre projet en sélection. Quel sera son rôle à la venue? Merci. È significativo e molto importante per la nostra squadra e per me. Il ruolo di Mahrez è molto importante per l'equipe, ma per me. Sicuramente tutto questo cosa Mahrez ha fatto per l'Algeria fino adesso merita tutto rispetto. Tutto ciò che Mahrez ha fatto fino adesso per l'equipe nazionale dell'Algeria merita mio rispetto. E sicuramente sono sicuro che può darci ancora tanto di più e dare a questi giovani, perché ci sono tanti giovani giocatori, dare questo supporto per crescere ulteriormente. E sono convinto che può ancora dare molto all'equipe nazionale d'Algeria e soprattutto sono convinto che può anche aiutare i giovani giocatori, on en a beaucoup dans l'équipe, per progressare. E non solo sul campo, ma anche fuori del campo, con i consigli, con giusti interventi, e che può essere anche uno dei allenatori in campo. Ma non solamente sul terreno di foot, ma anche a côté del terreno di foot, con dei consigli, con du soutien, e può même essere un entraîneur a côté del terreno, per questi giovani giocatori. كوتش المرة الثانية شهدنا غياب لاعب انترخت فرانكفورت الالماني فارس الشريبي عن القائمة، هل هناك قضية اسمها فارس الشريبي؟ come Haji Musa, come Sayoud, che sono ben precisati e specifici. Per questo stage, j'ai opté per dei giocatori che hanno dei ruoli sul terreno ben fixi, per esempio Haji Musa o Sayoud. Sicuramente il giocatore che porta per lui rimangono aperte. È chiaro che per Shaib Fares la porta dell'equipe nazionale è aperta. E tutte le fine settimana si valuta di nuovo. Et chaque week-end, il est évalué. Oui, donc c'est de Radio Nationale, de Radio Internationale. Oui, donc c'est de Radio Internationale. Coach, une question toute simple. Comment vous allez aborder les deux rencontres, à commencer par la Guinée équatoriale, un très bon concurrent pour la qualification. Sicuramente avversari molto importanti e avversari delicati, perché abbiamo visto anche contro Uganda che non c'è la squadra abbordabile. Chiaramente c'è degli avversari che faut giocare, degli avversari di qualità. On l'ha già visto anche con l'Uganda, il faut giocare i match, il faut essere. Io vado con presupposto che dipende tantissimo da noi, da nostro, come noi giochiamo noi.
Je pars du principe que beaucoup dépend du de comportement qu'on aura nous en tant qu'équipe, donc de notre façon de jouer. Abbiamo visto anche analizzato gli avversari e posso noi ci concentriamo prima sulla prima partita contro Guinea Equatoriale. On a déjà clairement fait l'évaluation des adversaires, mais nous on va se concentrer sur le premier match contre la Guinée équatoriale et on va se concentrer surtout sur nous-mêmes. E vedendo questa squadra e anche vedendo come hanno giocato l'ultimo Africa Cup, è una squadra compatta, una squadra che sa cosa vuole, molto disciplinata e che dura per 90 minuti. Et si on veut parler de la Guinée équatoriale, la première équipe qu'on va affronter, c'est une équipe qui a démontré dans les derniers mois, aussi à la CAN, une équipe très soudée, une équipe qui sait exactement quoi faire et qui est capable de jouer pendant tout le match à un bon niveau. Magari solo dico che la seconda partita sarà tutta diversa perché giochiamo sul campo sintetico che è anche un po' più piccolo, ma ce l'abbiamo tempo dopo prima partita prepararci per la seconda. Je vais ajouter une chose, ce sera deux matchs complètement différents parce que le deuxième match, on va jouer à Monrovia pour la Liberia sur un synthétique, mais on a le temps pour préparer ce deuxième match. Salam alaikum, coach Ismaël Hajjab, صاحب قناة الأحباب. لأن coach, ضمن الأول مرة نشوفه تواجد أمير سعيود في القائمة. شفنا هذا اللاعب أنه غاب سنوات عديدة لصفوف المنتخب الوطني. اليوم هل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وصل ربما لقناعة شخصية بحتمية تواجد هذا اللاعب في صفوف المنتخب؟ C'est un joueur de grande qualité, c'est un joueur qui a aussi l'avantage d'être capable de marquer des buts et de donner des passes décisives. Un joueur expert, 33-34 ans, mais qui, sur certains moments de la partita, sur certains moments, quand il est convocato, peut darci une main pour améliorer notre squadra. C'est un joueur très expérimenté et c'est un joueur qui peut vraiment nous donner un coup de main dans des situations de jeu particulières parce qu'il a vraiment la grande expérience pour nous aider dans cette équipe. Tout ça est anche da confermare in allenamento, soprattutto se avrà possibilità di giocare. Et tout ça doit être confirmé sur le terrain pendant les entraînements et sur le terrain de jeu pendant les matchs s'il aura la possibilité de jouer. Ma questo vale per noi tutti, per ogni giocatore, ma anche per ogni mais celui-ci est valable pour tous les joueurs, mais aussi pour tous les membres du staff. Non, il n'y a pas de match de retour contre la Guinée. Io non sono stato quando l'Algeria ha giocato l'ultima volta, per questo per me vale la partita come una conferma di nostro progresso. C'est pas une revanche, moi j'étais pas là pendant ce match et pour moi c'est seulement un match pour démontrer nos progrès. Sicuramente
squadra di valore, come ho detto, ma cosa mi interessa di più che dimostriamo che riusciamo a fare meno errori difensivi, meno errori individuali e che saremo più efficaci anche in avanti. C'è clairement une équipe de qualité, mais ce que je veux, c'est que mon équipe puisse progresser, éviter des erreurs individuelles et d'être plus efficace en phase offensive. Welcome, bonjour coach. Le match contre la Guinée. Coach, le match sera à Oran. Est-ce que vous avez une préférence de jouer dans un stade fixe de l'équipe nationale, par exemple, comme Nelson Mandela, ou bien vous êtes sur l'idée de jouer un peu partout au Oran, pour sentir là-bas l'équipe nationale? Mio avviso, come ho fatto anche sempre, anche in Svizzera cercavamo di dare opportunità a maggior parte di gente di vederci live. Mon avis, comme j'ai déjà fait aussi en Suisse, c'est de donner la possibilité à plusieurs personnes de suivre les matchs live, donc pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Et noi facciamo adesso su questo logo, prossima volta forse su altro, ma un piacere incontrare la gente, un piacere che tutti gli algerini sentono Nazionale di Algeria come loro squadra. Cette fois, on sera au rang, on sera peut-être ailleurs dans d'autres matchs, mais pour moi, l'essentiel, c'est que le peuple d'Algérie ait la possibilité de suivre en direct l'équipe et d'être à côté de l'équipe et ressentir aussi la présence de l'équipe nationale. De toute façon, que l'équipe nationale soit l'équipe du peuple d'Algérie. Perché noi veramente sentiamo, questo confermato anche da tanti giocatori, che sentiamo questo calore, questo attaccamento alla maglia. On ressent très fort la chaleur du peuple d'Algérie pour l'équipe nationale et c'est aussi des joueurs qui l'ont confirmé aussi en disant que c'est quelque chose de vraiment très fort. Salam alaikum, coach, je suis Kayo Palat, je suis un peu de coach, je suis un peu de temps, 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 sicuramente vado da dietro, gerarchia si decide su un campo di allenamento e su un campo giocando le partite. La gerarchia all'interno dell'equipe per i gardiens, c'est le temps de foot qui la donne, c'est les entraînements, c'est les matchs. Conferma di Anthony. È già di sé un segnale che crediamo tanto in lui. La confirmazione del fatto che Andrea, Anthony e Andrea sono ancora là, è il fatto che on ha confianza in lui. E altri due sicuramente voglio vedere ad opera. Les deux autres gardiens, je veux les voir sur le terrain pendant les entraînements et les matchs. Per questo, parlando nello staff, abbiamo anche. Siamo andati verso Kinja per parlarlo, per vedere sua disponibilità. C'è per questo che all'interno del staff on en a discuté e il staff è allé verso Kinja per vedere sua disponibilità. Sicuramente è un portiere di valore che sta dimostrando da anni che è su buoni livelli. C'è un gardien che è della valore, il ha dimostrato pendant beaucoup d'anni che è un gardien di valore. E così quando abbiamo contattato era subito pronto di
riprendere questo ruolo in nazionale. Quando il atleta è contattato per lo staff, il ha tutti donné la disponibilità di partecipare allo stage dell'equipe nazionale. السلام عليكم، أتقدم بالسعيد إلى الجزائرية القناة الأولى. الملاحظ في القائمة عودة بوداوي وزركان في المقابل إلى رياب. Sicuramente due giocatori che ho detto già prima, che ho visto già in marzo. Si on parle de Zorgan et de Boudaoui, c'est deux joueurs que j'avais déjà vus pendant le match. Purtroppo Boudaoui era infortunato in quel periodo lì. Malheureusement, pendant le premier stage du match, Boudaoui était blessé. Seguendo fine campionato, inizio di campionato, questo qua. En suivant la fin du championnat passé et le début de ce championnat. Con assenze che sono forza maggiore come Bentaleb. Avec les absences fort majeures, par exemple Bentaleb. Chiandussi che già da tanto tempo non gioca e non hanno finito il campionato. Avec Chiandussi che sa fare beaucoup de temps qu'il joue pas. Brahimi che anche era infortunato in piede e non ancora partecipa pienamente al lavoro della squadra. Avec Yassine Brahimi che è blessé au pied e sa fare ancora du temps qui s'entraîne pas avec l'équipe. Ho scelto Boudaoui e Zarkan perché ho visto in grande forma e ho optato per questi due giocatori perché vedo che sono molto compatibili con questo gioco che stiamo facendo noi. E par rapport a Boudaoui e Zorgan, le due sono in forma, ils jouent régulièrement avec leurs équipes, c'est pour ça qu'on les a convoqués, parce que c'est des joueurs qui sont, ils vont très bien avec notre philosophie, avec nos systèmes de jeu. E cosa importante che tutti e due sono compatibili anche con Benacer o Derouki, così che si possono fare diverse scelte. E c'è très important che le due soient aussi compatibili avec Derouki e avec Benacer, parce que comme ça on a beaucoup de choix dans cette zone du terrain. Question, c'est comme ça. Noi dobbiamo adattarsi, non c'è altro da fare, partiamo giorno prima a Doran e torniamo subito dopo la partita a Sivinusa. Il faut s'adapter, on part le jour la veille pour Oran e tout de suite après le match on va revenir ici a Sivinusa. Così guadagniamo anche un po' di tempo di recupero e preparazione per la seconda partita. En faisant comme ça, on va récupérer un petit peu de temps et on va récupérer aussi, en donnant aussi aux possibilités aux joueurs de récupérer mieux pour le deuxième match au Liberia. Et faire quelques séduites anche sur le campo sintético, pian pianino, accettare, abituare corpo e mente anche per giocare su questo campo. Mais de cette façon, en revenant à Sivinusa, on pourra aussi faire des séances sur le synthétique pour adapter pas seulement le corps, pas seulement la technique, mais aussi la tête et l'habitude à cette situation nouvelle. Ouais, c'est essentiel, je vais donner une info. Kendoussi, c'est pas qu'il jouait pas dans l'équipe, et que le championnat en Égypte est terminé. Il a plus joué depuis la fin du championnat en Égypte. Et il n'a même pas joué les derniers matchs avec l'équipe de Club Rennes. أصلا بجيل المباشر بلس الإخباري لاحظنا تواجد نوف الخاص في القائمة ما هي المميزات التي وجدتها في هذا اللاعب؟ Je
Sì, ho optato per altre soluzioni, altri schemi, perché il momento non è che ha fatto grande con grande qualità le ultime partite nella propria squadra. Kancev, sicuramente ho visto l'anno scorso tante volte e anche finale, così all'inizio adesso della preparazione. Et Kancev, je l'avais déjà vu pendant le championnat passé, je l'ai un peu plus maintenant avec le début avec son équipe. E ho visto che il giocatore è in forma e che il giocatore che in questo momento merita anche essere sollecitato dalla nazionale. C'è un giocatore che è in forma e c'è un giocatore che merita essere sollecitato dall'equipe nazionale. Per questo adesso ce l'abbiamo tre giocatori che sono sulla fascia sinistra, che sono in grande forma. C'è per questo che abbiamo tre giocatori a gauche che sono in grande forma. Ai Nuri che sta giocando su livelli molto importanti. Avec Aïdouri qui joue avec, avec un niveau très très haut. E Kajam che anche con Young Boys ha fatto applaudire anche in Champions League. Avec Kajam aussi, Jaouen qui joue à IB en Suisse e qui ha rejoint la fase finale della Champions League. E mi piace avere queste difficoltà di scegliere tra tre in forma solo per due. Et j'aime bien avoir cette difficulté d'avoir trois joueurs et en pouvant seulement choisir que deux. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Bonjour coach. Coach, on vous a vu suivre beaucoup de matchs du championnat algérien. Est-ce que vous avez. Comment vous avez trouvé le niveau des joueurs locaux et le championnat algérien d'abord? Et est-ce que vous avez pu avoir une idée de chaque joueur ou bien la plupart des joueurs locaux? Merci. Sarei bugiardo dire che conosco tutti i giocatori e tutte le squadre in perfezione. Ce serait une blague de dire que je connais tous les joueurs et toutes les équipes parce que c'est pas vrai. Sicuramente mi appoggio tantissimo anche allo staff. Bien clair, je dois m'appuyer aussi beaucoup au staff. E dopo segnalazioni di giocatori che potrebbero essere nella nostra portata. Et quand je reçois des indications pour des joueurs qui pourraient être envisagé pour l'équipe nationale. Mi occupo anche più profondo e più precisamente con questi giocatori o questi profili. Je m'occupe beaucoup plus en profondeur pour ce type de joueur, ce profil de joueur. Il livello è buono. Io ho visto l'anno scorso fine campionato dove c'erano anche qualche difficoltà nelle squadre. J'ai vu des matchs à la fin, le niveau est bon, j'ai vu des matchs à la fin de la saison passée où il y avait des difficultés dans certaines équipes. Soprattutto cosa importante per noi, il livello di intensità che spesso cala dopo un certo periodo e per noi è importante avere per 90 minuti un livello di corsa, di pensiero e di qualità del gioco. Pour nous, surtout, c'est essentiel de voir que le niveau qualitatif des matchs, de l'intensité, du mental, de l'approche aussi foot, soit donné pour tout le match, 90 minutes, pas que 45, 50, 60 minutes. Et, cosa essenziale, questi giocatori anche che giocano in Algeria o anche, non so, in Australia, devono essere migliori che questi giocatori che abbiamo dentro la squadra. C'est essentiel que même les joueurs qui jouent en Algérie ou il a même dit en Australie, pour arriver à l'équipe nationale, ils doivent être meilleurs que les joueurs qui sont maintenant sur la liste de l'équipe nationale. Perché cambiare solo per cambiare, per avere novità, per voi come giornalisti è interessante perché si possono scrivere nuove storie. C'est vrai que changer pour changer, c'est seulement pour donner peut-être aux journalistes la possibilité
d'avoir des infos nouvelles. Ma per me è importante avere un gruppo uniforme, uno che comincia e che si conoscono uno tra gli altri, con gli altri giocatori. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir un groupe qui soit soudé et donner la possibilité vraiment aux joueurs de se connaître aussi. Perché certi principi non si possono di nuovo ripetere o di nuovo imparare ogni volta quando siamo insieme, non c'è tempo. Parce que certains principes tactiques et de jeu ne peuvent pas être tout le temps repris s'il y a s'il y a beaucoup de changements des joueurs, on doit vraiment donner la continuité. Adesso abbiamo due giorni da questi uno andamento e mezzo per preparare la prima partita. On a quasiment seulement deux jours, il n'y a pas de temps pour préparer beaucoup plus. E per fortuna ce l'abbiamo tantissimi che sono già stati gli ultimi due stage. E per quelli che non sono già stati è più facile capire e essere aiutati di questi giocatori. On a la chance qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà suivi les autres stages avec l'équipe nationale et les nouveaux joueurs qui vont arriver auront moins de difficultés d'être intégrés dans le système de jeu, dans les idées du jeu. Avec l'aide clairement des joueurs qui sont déjà là depuis les deux premiers stages. Merci coach, merci David. Et t'as le temps, je suis quand même d'accord. Merci. Merci à tous.